Bienvenue sur la chaîne du studio Lucornard. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un haul de tout ce qu'on a acheté à Primark, Jiffy, Action et Emma. Donc, suivez-nous, c'est parti! Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Par Jiffy, on a que trois choses. Alors on a ce petit gobelet. Donc on a craqué dessus, oui. Donc voilà, on a trop kiffé sur le petit flamant rose et puis ces petites couleurs. Mmh. Et puis ce Davis, celui-ci. Voilà, avec la petite papaye. Hop, comme ceci. Il était super grand, donc on s'est dit c'est nickel pour mettre nos boissons fraîches de l'été. Et on l'a payé 2,50€. Alors ensuite, on a pris une petite crème comme ça. Alors c'est de la peinture pailletée. Donc on en a pris un en violet, un en rose. Et en fait, si vous avez la carte Jiffy, donc au lieu de 5€ et quelques, il passe à 1,49€. Donc ça valait vraiment le coup. Donc on va s'en servir pour nos prochaines vidéos. Oui. Et du coup, on va aller samedi prochain en racheter parce que il y avait plus qu'on voulait. Voilà. Donc maintenant, on passe à Emma. Alors, on a pris des petits crayons à 2€. C'est des stylos, voilà. Hein. En fait, ils étaient tellement cute qu'on n'a pas pu résister. On les a payés que 1€. Voilà. Alors, on va les ouvrir. Hein. Donc, voilà. Donc, ils sont comme ça. Donc, il y en a un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Et puis, un comme ça. Tiens. Voilà. Alors, en fait, vous voyez... Ils sont vraiment trop cute. Hein. Ouais, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais trop mignon. Voilà. Tiens mon cœur. Alors, c'est bien le violet, on en a un pour toutes les deux. Ouais, parce qu'on aime bien. Ouais, c'est du stylo normal. Hein. Voilà, donc c'est des billes, hein, des stylos à billes normales. Ah, voilà. Donc ils sont trop cute et en plus ils vont assortir à nos cahiers de 2€. Voilà, on a acheté un lot de cahiers là-bas, donc voilà. Ils ont coûté 2€. Tu les montres de plus près, mon cœur. Alors, il y a celui-ci. Alors, attends. Donc, il y a celui-ci qui est trop canon. Et celui-ci. Et celui-ci, donc oui. Voilà, qui est jaune avec des petits pois. Et bien derrière, sûr. Il est à petits pois. Qu'il y a plusieurs cahiers. Alors, en fait, maman en fait, on va se les partager. Ouais, en fait, maman va avoir un comme ça, je vais en avoir un comme ça, maman va avoir un comme ça, j'en vais en avoir un comme ça. Voilà, on va se les partager. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre à Emma? On a acheté ces petits feutres. Voilà, donc c'est en fait, c'est des stylos feutres, on va dire. Oui. Je sais que chez Bic, ils sont très chers et là, franchement, ça valait vraiment le coup. Voilà, donc voilà. Donc, en fait, ça se présente dans une petite boîte comme et ça. Il y en a aussi d'autres. Il y avait chez... d'autres. Oui, il y en avait d'autres. Et voilà, c'est des petites mines. Petites, vous voyez, comme ça. Hein. Voilà. C'est des toutes petites pointes. On va pouvoir faire de belles écritures avec ça. Oui, surtout moi, parce qu'en fait, je fais des petits carrés. Donc, elle aime bien. Je dépasse. Donc, ça nous a coûté 2€. Oui, 2€. Maintenant, on passe à Action. Alors, à Action, donc, on a trouvé une belle petite trousse qui va aller sur mon bureau. Voilà, donc en fait, Luna, en fait, à l'école, elle ne ramène pas sa trousse le soir, il la laisse toujours à l'école. Voilà. Donc, du coup, on a pris une trousse en rab pour se faire vraiment une petite trousse dans sa chambre, sur son bureau, et mettre tout ce dont elle a besoin pour faire ses devoirs le soir. Ouais, vraiment beaucoup de choses. Voilà, elle est super jolie. Okay. Regardez. Franchement, avec les petits neneuils... J'adore. Il y avait aussi avec écrit love. Oui, c'est vrai. Et elle devait coûter 1,50€, quelque chose comme ça. Enfin, elle n'était pas très très chère. Ensuite, on a pris une bass bomb. Alors, une bass bomb. Ouais. Voilà, Luna a craqué dessus. Donc voilà, on va tester. Voir ce que ça donne. Et puis, on verra bien. Ouais, donc... Et elle était à 1,95€. Oui, et en plus, là, il y a un petit... Oui, une petite masse flamant rose. Voilà. Avec sur un donc, c'est pas une petite, mais un flamant rose. Oups. Alors ensuite... Des oreilles de mini. Alors pareil, on a trouvé ces petites oreilles de mini. Elles étaient à 95 centimes. Et on avait aussi une paire
paire avec sans le truc rouge, mais avec plein de petits points. Oui, c'est vrai. Avec un petit nœud dans les cheveux. Tu veux l'essayer? Oui. Comme ça, dès qu'on va aller à Disney, je vais prendre. Voilà. Oh, t'es trop belle. Donc, je vais le garder tout le long de la vidéo. Bah, vas-y. Alors, ensuite. Ensuite, on a pris ça. Donc, c'est un kit avec trois petits vernis avec des stickers et avec aussi un petit truc pour les doigts. Voilà, une petite lime à ongles. Ouais. Ça devait coûter à peu près 3 euros et quelques, quelque chose comme ça. Ouais. Ensuite, on a pris un petit lot avec comme les cahiers qui sont là. Donc voilà, il y a ça. Donc voilà, comme je vous disais, vu que Luna ne ramène pas ses cahiers, enfin sa trousse le soir à la maison pour faire ses devoirs, du coup on a pris ça, voilà, pour se dépanner. Donc voilà. Et ça coûtait 1 euro. Oui, il me semble 1 euro, je crois. Donc, oui. C'était vraiment pas cher. Donc, on l'a pris. Voilà, c'était pas cher, donc voilà. On en a profité. Donc, voilà, j'ai déballé. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà les petits stylos. Vu qu'on est deux avec maman et qu'on aime bien les trucs girly, ben, maman, elle va en prendre un peut-être. Voilà, on va se les partager. De toute façon, je vais les mettre dans la trousse, donc voilà. Ils sont trop mignons. Voilà. Je mets vraiment un pouce bleu. Ils sont trop, trop jolis. Ils sont bien dans ma trousse, hein. Allez, vas-y, le reste. Donc, je les mets dans ma trousse. On a aussi deux crayons de papier, donc il faudra les tailler. Et bien sûr, maman, elle va bien sûr m'en piquer un. Bah oui, on se partage tout, nous. Ouais. Comme ça, on a tout pareil. Dès qu'il y en a deux, franchement, on en prend un seul. Ensuite, on a une petite règle de 15 cm. Franchement, elle est trop mignonne. Donc, pareil, elle va nickel dans la trousse. Donc, elle est, je sais pas combien de centimètres, la trousse. Ensuite, on a un petit très crayon, très girly, hein, rose et tout. Alors, on le voit pas très très bien, mais c'est un petit taille crayon, super girly. Voilà, il est vraiment tout simple, mais c'est suffisant pour la maison. Voilà. Ensuite, on a une petite gomme très girly. Okay. Voilà, encore du girly. Nous, on adore ça. C'est écrit Girls Club. Voilà. Donc, ça valait le coup. Voilà, donc tout rentre parfaitement dans la trousse. Ensuite, on a pris des cahiers, donc voilà. Un lot de 4 cahiers, donc pareil. Maman, elle aura ça. Donc voilà, il y en a un qui est comme ceci, au dos comme ça. Et le deuxième. Avec des pizzas. Avec des pizzas et au dos, il est comme ça. Donc pareil, vu qu'il y en a 4, on en a 2 chacune. Voilà, donc maman, elle aura ça et moi, j'aurai ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer chez Primark. Allez, qu'est-ce que tu as pris? Des chaussons antidérapants, donc voilà. Elle nous montre le dos, elle nous montrait devant. Ouais. Donc voilà, c'est des petits pizza. Chaussons licornes. Voilà, on les a payés 3,50 euros. Maintenant, je vais les essayer. C'est bien, je pourrais lui piquer. Non, c'est trop grand. Ils sont un peu grands, mais oui, c'est normal. Mais pour toi, ce sera un peu grand. Voilà, non, un peu petit, on dit. Waouh, les beaux chaussons. Ah, je vais les garder. Ça y est, Luna, elle est amoureuse de ses chaussons. Elle va plus les enlever. Matin, midi, soir. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ensuite, on a pris un petit pyjama. Tsum Tsum. Donc, Luna, dès qu'elle l'a vu, elle a dit « Ah, maman, je le veux, il est trop beau. » Tu veux l'ouvrir peut-être, voir comment il est à l'intérieur? Donc, voilà, il était à 8 euros. Montre-nous ce petit pyjama Tsum Tsum. Oh, il est trop mignon. On aurait dit que c'est pour bon, toi. Il va être un petit peu grand, mais bon, au moins, elle s'en servira un peu plus longtemps. Non, je pourrais pas le piquer, non. Mais regardez ces petits détails Tsum Tsum, il est trop, trop beau. Ben voilà, Luna, en tout cas, elle va en profiter. Ce soir, je le mets. Elle veut le mettre, ça y est. Et le haut. Il est trop chou. Trop, trop beau. Voilà. Donc c'est bien, tu vas pouvoir le mettre très longtemps comme ça. Ouais, on a pris déjà beaucoup de pyjamas et on en a pris aussi pour maman. Hein. Ensuite. On a pris des chaussettes. Voilà, un petit lot de chaussettes super colorées. Il y a 7 paires et on les a payées. Ah, maman, elle fait tout tomber. Alors, on les a payées combien les chaussettes? 3,50 euros. Donc franchement, pour cette paire de chaussettes, ça valait vraiment le coup. Oui. On vient de déballer les petites chaussettes, donc il y a celui-là, donc allez, c'est vraiment trop trop joli. Voilà, en jaune comme ça et gris, elles sont trop mignonnes. Ensuite, on a ceux-là,
Donc c'est pareil, mais sauf que c'est en rose. Voilà. On a des petits points roses avec du noir. Noir. Trop mignonne aussi. On a les mêmes, mais en bleu, gris, jaune. Ouais, franchement, les couleurs, elles sont trop, trop mignonnes. Ça fait trop couleur cute, en fait. Ouais, je sais pas, c'est trop chou. Ouais, trop, trop chou. Ensuite, on a celles-là. Qui sont canons, hein. Et les dernières, c'est cela. Et franchement, pour 3,50€, ça valait le coup, hein, les amis, à l'envers. Voilà. Donc, on voulait trouver des chaussettes Disney, mais on n'en a pas trouvé. Donc, on s'est rabattu sur ça. J'en ai oublié une paire. Ah, et elle a oublié celles-ci, qui sont trop, trop mignonnes aussi. Voilà. Les chaussons, ils donnent chaud. Ah, bah oui. Ensuite, on a des bottes. Donc, elles sont canons. Donc, on les a payées 6 euros. Vu que j'ai vu un truc trop trop beau, ben j'ai craqué dessus. C'est ça, en fait, c'est des petits cœurs. Des petites clés en cœur, en fait, vous voyez, c'est... Voilà, c'est... Et donc, j'offrirai à une copine. Donc elle va en offrir un à sa meilleure amie. C'est rose, que vous avez vu sur la chaîne. Voilà, donc moi, je prendrai... Mona, tu vas garder lequel? Tu gardes celui-là? Oui. Et tu offres l'autre à ta copine. Oui, donc d'accord. Je lui offrirai peut-être à son anniversaire. Bah, c'est déjà passé son anniversaire, mais tu pourras lui offrir à la rentrée? Ouais, à la rentrée. Allez, ensuite, tu as pris quoi? Je vais mettre... Ensuite, alors là, j'ai vraiment craqué dessus. Un petit pyjama. Mais sauf qu'en fait, le pyjama, c'est... La Belle et la Bête. Et c'est un pyjama chaud pour l'hiver. Voilà, donc c'est vraiment trop beau. Et, là, et on l'a payé combien, mon cœur, celui-ci? 9 euros, il me semble. Hein. Ah, c'est là. 9 euros. Et on a pris quoi comme taille? 12-13 ans, 12, non 13... Non, 11-12. On a pris 11-12 pour celui-ci, pour qu'elle le mette cet hiver. Voilà. Et le Tsum Tsum, c'est plus... bah, elle va commencer à le mettre cet hiver, mais elle le mettra plus un peu après. Donc, on va l'ouvrir. Et donc, voilà, on a déballé le pyjama de la Belle et la Bête. Donc, voilà, le t-shirt, il est franchement trop, trop beau. Franchement, il est trop beau. Et la matière, je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment toute douce, trop chou. Et voilà le petit bas. Ça donne vraiment envie d'être à Noël, tu sais, et puis être dans le canapé, regarder les films de Noël avec notre petit chocolat chaud. Et bien sûr, pour on reste dans le thème, il y a maman, elle a aussi pris ce pyjama, donc voilà. Donc c'est pareil, c'est le pyjama, la Belle et la Bête, et aussi il y a le pantalon. Oui, donc le pantalon, c'est en fait, c'est que le thème de Tic et Madame Samovar. Voilà, c'est ça, zip, ouais, donc voilà. Merci mon cœur. Et encore pour rester dans le même thème, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah oui, et le pyjama coûtait 13 euros. Oui, alors on a pris la tasse de Zip. Voilà, le mug de petit Zip. Franchement, il est pas trop chou. On va pas le boire dedans, on va peut-être la laisser. On va sûrement la laisser en décoration pour nos vidéos parce qu'elle est tellement chou. On peut pas la déballer. Faudrait qu'on trouve Madame Samovar d'ailleurs. On peut la déballer? Bah vas-y, montre-nous. Et donc voilà, donc on a déballé Zip, donc voilà. Donc là, à l'arrière, il y a des bulles. Il y a les petites bulles, elle est trop bien faite. Là, il y a bien l'effet cassé, quand même. Le petit effet cassé. Et quand il fait sa petite tête avec ses petites joues rouges, franchement, elle est super jolie. Je l'imite. Est-ce que je ressemble? Oui. Donc on va faire très attention. Et on passe à la suite. Donc maman s'est pris un petit pantalon... Un bas de pyjama, donc c'est un pampan. Et donc au lieu de 10 euros, elle a eu 5 euros. Voilà, donc on l'a eu en promotion, ça valait le coup. Voilà. Alors, on a eu aussi un petit ensemble donc, de Stitch. Donc, il est vachement c'est un pyjama pour l'été. Donc voilà, on a pris lui. Avec le petit débardeur qui va avec. Au moins, vu qu'il n'est pas trop trop chaud, il était en promotion. Au lieu de 7 euros, on a eu 3 euros. Voilà, donc ça valait vraiment le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on a adoré. Voilà. Alors, ensuite, on a pris pour les petits frères. On a, par contre, pour les petits garçons, on n'a pas trouvé grand-chose. Ouais. Donc, on a vraiment pris que ça pour les donc, petits frères. C'est vraiment sympa parce qu'en fait, là, il y a un maillot pour Mom Naïm, donc vu qu'il est grand, voilà. Et un maillot pour Maëlle. Bah, et après, ils échangeront. Hein. Donc, il y a le premier qui est tout gris. Voilà. Donc voilà, je vous montre, il est comme ceci. Et le deuxième, c'est un Mickey comme cela.
Donc voilà, hein. Et on en a eu pour 10 euros, enfin 9 euros les deux. Maman, je voulais bien avoir un Mickey parce que... Bah nous, on adore les Mickey pour les petits frères. Oui, alors on va passer avec le maillot pour maman. Hein. Alors voilà le maillot que maman a pris, donc il était à 3 euros. Donc ça valait vraiment le coup, et puis maman adore le gris et le rose, donc voilà, ça tombait bien. Voilà, je remonte. Alors ensuite, on a pris celui-ci. Donc on a pris lui, donc elle a pris presque le même, mais sauf qu'elle est en rose. D'une autre écriture, et puis donc, pareil, il coûtait 3 euros, et il était en promo à 1 euro. Oui, 3 euros. Et en fait, il était en solde à 1 euro, donc ouais. Ça valait le coup. Et elle a pris un bleu. Et j'ai pris aussi un petit bleu pour changer. Et à 3 euros. Voilà, 3 euros, et pareil, non, il était soldé à 1 euro. Alors ensuite, bon là c'est à moi, donc... Il y a ce t-shirt manche longue, donc on l'a payé 1,80€. Oui, 1,80€. Il y a un rayon où il y a en fait que des maillots à 1,80€. Ouais, du coup on en a pris plusieurs. Voilà. Ensuite, un maillot à 1,80€. Pareil, donc dans les tons rose bonbon. Oui, rose bonbon. On a pris un rose un petit peu plus flash. Donc, à 1,80€. Pareil, 1,80€. Voilà, donc alors attends, on le voit pas très bien mon cœur. Donc c'est écrit Bestie Forever. Donc pareil, il était trop chou. J'en avais un comme ça, mais sauf que. Donc ça fait pas très cher, hein, 1,80€ pour des t-shirts. Hein. Ouais. Ensuite, j'ai eu un petit pantalon. Donc c'est un jean tout simple, tout noir, basique. Ouh. Et on l'a payé 6,50€. Ouh. Elle perd ses oreilles. Mais de toute façon, on va essayer de retourner à Primark parce qu'il nous manquait plein de choses et on n'avait pas prévu assez de sous. On a le même, mais en gris. Alors là, c'est plutôt un jean gris avec des effets usés. Et regardez le bas, il est trop stylé, j'adore. Tiens. Donc voilà. Et il reste... Un seul truc, donc c'est un truc que j'adore, donc je vais garder pour la fin. Un petit gloss. Donc, il était trop mignon. Ah, et j'ai oublié de vous dire, le jean gris coûtait 13 euros. Ouais. Donc, au total, pour ces deux gros sacs de chez Primark, on en a eu pour 91,50€. Donc, franchement, pour 21 articles, ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà, je vous montre. 91,20€, même pas 90,50€. Et vous voyez, 21 articles. Donc, franchement, c'est pas négligeable. Montre-nous ça. Alors, c'est une petite glace. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer comment ça. Oh, en fait, c'est voilà. Trop choupi. Et après, on fait comment? En fait, on ouvre comme ça. Ensuite, là, on a ça et on a un bel. Waouh, c'est trop mignon. Il est orange. Trop beau. Est-ce que ça va bien sur les lèvres? Ouais. T'as les lèvres qui brillent. Trop belle. Alors, tu trouves ça cool, maman? Oui. Dites-moi en commentaire si mes achats vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé à Primark. Moi, en tout cas, j'aimerais trop y retourner. C'était vraiment trop bien. Trop bien. En plus, il y a des trucs vraiment stylés comme les colliers là. Ouais, et il y avait pas mal de trucs Mickey, mais il n'y avait pas la taille de Luna. Donc, du coup, on va y retourner. C'est trop stylé quand même. Ouais, c'est trop mignon. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et donc, ciao les petits lounettes.